Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais encore vous parler une fois de Forza Horizon 5. Alors Inday vont me dire c'est pas encore maintenant, donc ça sert pas trop, c'est un peu trop à rien en fait ce que tu fais. Mais en fait voilà, je me suis décidé à aider les développeurs. J'espère que ce que je vais leur dire sera retenu et qu'ils le feront. Franchement, normalement j'ai fait pour tout le monde, mais vraiment tout le monde. Donc comme vous pouvez le voir, on voit une carte de Belgique. Donc pour une fois, ben voilà, j'ai... Comment dire? Attendez, deux petites secondes, je range à papier parce que je me rends compte que j'en ai pris un trop. Donc vous pouvez peut-être le voir, voilà, il y a un papier avec tout ce que j'ai envie de vous dire. Et alors voilà. Donc moi je vous l'avais dit hein, la dernière fois que Forza Horizon 5, moi je trouvais que ce serait bien en Belgique. Et donc, ben, hier, ben, ça fait déjà un petit moment que j'y pense. Franchement, j'y pense des journées entières en fait. Et je me suis dit, il faut vraiment que je tente le coup et je vais leur envoyer une suggestion pour Forza Horizon 5, malgré que je ne sais pas s'ils y travaillent déjà ou pas. Enfin, il y a des rumeurs qui disent qu'ils travaillent déjà dessus, mais moi, j'y crois pas trop en fait. Donc Forza Horizon 4, on va parler un peu aussi de Forza Horizon 4 avant. Donc Forza Horizon 4, je rappelle que c'était au Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni, ça se trouve où? Eh ben, on le voit d'ailleurs. Bah oui, vous le voyez. Donc on voit la Belgique, elle est en jaune ici. Et alors tout le truc ici, nous on est ici. Ça c'est Forza Horizon 4. Ça c'était Forza Horizon 2. Donc juste ici. Bah, Forza Horizon 3, lui, il se trouve bien plus bas, on le voit pas. Et alors Forza Horizon 5, moi j'aimerais bien que ce soit en Belgique. Mais j'ai pas choisi parce que c'était mon pays, hein. Je vous le dis. S'il y avait eu, je connaîtrais un pays qui y a encore de meilleures routes, bah j'aurais choisi ça, bien entendu. Pourquoi j'ai pas choisi la France? Parce qu'on peut me dire, bah oui, bah la France c'est aussi beau alors, hein. Bah je suis d'accord, mais en fait la France, le problème c'est que ça a déjà été fait et donc ça risque de pas être tenu en fait. Donc du coup la Belgique, pour moi c'est le meilleur choix. Et donc pourquoi la Belgique? Eh ben je vous l'explique tout de suite. La Belgique, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, comporte de très belles routes. D'ailleurs, j'ai le retour d'un ami qui a vu la vidéo et il m'a dit que franchement, ça le ferait kiffer de voir ça. Et il m'a donné aussi des petites idées comme ça. Et alors, moi, j'ai tout retravaillé, j'ai mis tout sur papier, comme je vous l'ai montré hein, il y a 2 secondes. Et donc voilà, moi, la map, ce sera en Belgique. La Belgique, comme on peut le voir, ils vont dire que c'est un petit pays, je peux vous dire que c'est faux. Hein. Ça, c'est le Grand-Duché de Luxembourg. Ceci, donc, ici, c'est pas la Belgique, hein, je peux vous le dire. Donc, on voit la côte. Donc, voilà pourquoi moi je trouve que ce serait l'idéal. En fait, là il y a le côté vert, le côté ville ici, et alors le côté mer tout le long est là. Franchement, la Belgique est un très beau pays. Hein. Moi j'y habite et je suis content d'y habiter. Je suis content, fier d'être belge. Voilà. Et moi j'aurais aimé avoir que mon pays soit représenté dans un jeu. Et alors, Forza Horizon 5 pour moi serait le mieux. Mais voilà, la condition que je trouve qu'il devra avoir pour les futurs Forza, c'est qu'il devrait mettre un pays complet. Et pourquoi j'ai choisi la Belgique? Parce que la Belgique n'est pas encore trop grande, pas trop compliquée à faire. Donc moi je trouve ça encore assez facile par rapport de modéliser complètement la France, c'est sacrément chaud. Playground Games Turn-ins peuvent le faire, moi j'en suis sûr. J'ai retenu des villes hein, et des villages. On va commencer par la Flandre. Donc pour ceux qui connaissent pas la Belgique, en fait, donc ici c'est la Flandre. Et ça fait tout ça, bim bim. Ça c'est la région bruxelloise. Et alors tout le reste c'est la Wallonie. Et c'est divisé en plusieurs provinces. Donc Hainaut, enfin tout le reste quoi. Moi j'habite dans la province de Hainaut, près de Tournai. Donc j'ai fait une petite liste, j'espère que ça vous trouvera pas ça long, sinon vous pouvez avancer. Bon, ça dure pas longtemps, ça dure peut-être 1 minute. Donc en Flandre, pour commencer, j'ai retenu. Enfin, bien sûr, ce seraient toutes les villes et villages qui seraient représentés dans le jeu. Hein. Mais j'ai retenu des villes intéressantes ou connues. Donc en Flandre, il y a Ostende. Donc Ostende qu'on peut voir ici. Blankenberg, qui se trouve aussi au long. Knokke, qu'on peut voir ici. Gand, on peut le voir là. Bruges. Visiblement, Bruges, j'ai pas. Ah, si, il est là, sur la carte, Bruges. Courtrai, qui se trouve juste là, Anvers, là-haut, et Ypres, qui se trouve quelque part ici,
Alors pourquoi j'ai choisi Yves? Parce que Skin Dave vont se demander peut-être pourquoi et qu'ils connaissent moins bien. En fait, celui-là qui va au parc d'attractions Belwaarde. Pour ceux qui connaissent le parc d'attractions Belwaarde en Belgique. En fait, c'est dans la ville d'Ypres et c'est pour ça que j'ai mis la ville d'Ypres dedans. J'aurais pu choisir à Lost ou Saint-Nicolas, mais ou Turnhout. Turnhout, j'avais pas pensé au moment où j'ai fait la feuille, donc c'est pour ça. Sinon, je l'aurais mis. Parce que c'est assez connu, je pense, Turnhout, pour ceux qui vont à Anvers. Enfin, moi, je connais pas parce que je vais jamais en fait en haut de mon pays. Moi, je vais à Courtrai ou à Ypres et parfois à la côte, mais sinon, c'est tout. Sinon, je me retrouve toujours ici en bas. Ou alors, j'habite là, dans le coin ici. Mais sinon, non, je vais jamais du côté d'Anvers, non, rien du tout. En Wallonie, donc la Wallonie, ou en région Bruxelles. Donc la région bruxelloise et la Wallonie. Donc ça se trouve dans cette partie-ci. Donc j'ai retenu, bah, bien sûr, Mouscron, qui est assez connu, ville frontalière de Tourcoing et tout. Tournai, qu'on peut remarquer juste ici. Mons. On peut remarquer aussi la Louvière, qui se trouve là. Wavre, qui se trouve dans la région bruxelloise. Bruxelles, bien entendu, la capitale. Charleroi, qui se trouve ici. Namur, Liège. Verviers, qui se trouve là-bas. Arlon, qui se trouve ici. En-sur-Lesse. En-sur-Lesse, pour ceux qui connaissent les grottes de Han, bah c'est là. Donc, En-sur-Lesse, comment vous dire? C'est quelque part ici, en fait. Remouchamps et Wailles, ça se trouve plus du côté de Liège. Sur ma deuxième feuille, j'en ai encore deux autres, là où je vais en vacances. Rochehaut et Bouillon. Donc Rochehaut et Bouillon se trouvent ici. Des magnifiques coins. Franchement, si vous voulez plus de détails, donc regardez. N'hésitez pas à mettre en pause hein, sur l'image. Et voilà le reste. Rochehaut et Bouillon, etc. Bon, il y en a encore d'autres. Hein. Il y a aussi la ville d'Urbis, j'ai oublié de noter, qui se trouve quelque part ici, qui est à la frontière de la province Luxembourg-Liège. Hein. Je vais vous montrer une petite vidéo sur YouTube du paysage. Vous l'avez déjà vu. C'est des vidéos que je vous ai déjà montrées, mais celle-là, elle raccorde une autre que moi j'avais fait la dernière fois. Donc la vidéo la dernière fois c'était si je me souviens, attendez, hein. Je me souviens plus en fait. Je sais qu'elle allait sur Rochehaut en fait. Donc ah oui, j'avais mis celle-là. J'avais mis celle-là, mais il y en a encore d'autres, hein. Rochehaut-Vresse. Je peux vous le montrer, mais je vais. Attendez. Par contre, je vais vous montrer d'abord l'autre, peut-être, quand même. Rochefort et tout, Esneux. Où est-ce qu'elle est? Bastogne. Ah oui, Bastogne, pour ceux qui connaissent Bastogne, c'est vrai. Avec le War Museum. Ah oui, là, voilà, je ne l'ai pas vu. Je vais l'avancer un peu. Ouais, je vais l'avancer un peu parce qu'en fait, ça va en France. Et moi, c'est pas le but parce que c'est pas une carte française. Par contre, ce qui serait bien, c'est parce que les gens ne le connaissent pas trop, c'est qu'en fait, il y a un petit raccordement en fait entre. Enfin, sur la carte de Belgique, en fait, il y a la France qui va dans notre pays, donc, et alors il y a la ville de Givet qui raccorde deux villes belges. Et donc, du coup, ce serait quand même bien que la ville de Givet soit modélisée malgré que c'est français, parce que sinon, ça ferait con qu'on doit faire tout un détour pour rejoindre de l'autre côté. Voilà. Donc ici, on est à Bohan. Alors Bohan, voilà, ça ramène sur Vresse et puis sur Rochehaut. Ça, Twitch et d'autres personnes, bien entendu, vous devriez aimer cette route. En fait, c'est un énorme virage et une belle épingle comme on avait dans Forza Horizon 2 et qu'on a dans Forza Horizon 4. Pour ceux qui aiment le drift ou la balade, même, ça vous allez adorer. Bon, là, la voiture ne roule pas vite, mais en roulant, allez, on va dire 90 km/h, vous allez adorer. Je vais peut-être augmenter le son.
Après, on va parler voiture. Donc, ce que moi, enfin, ce que j'attends comme voiture, ou même deux, trois autres aussi. J'ai pas fait une longue liste hein, de 1000 voitures hein, non plus. Mais bon, j'en ai cité quelques-unes, voilà, qui m'intéressent. Un petit paquet, mais ça, c'est enfin, pas énorme, quoi. Moi perso, hein, il mettrait une route comme ça, enfin il mettrait la Belgique, je vous promets, cette route-là, vous la verrez tout le temps. Hein. Je fais une vidéo, je vous promets, je ferai de ma maison jusqu'à Rochehaut pour. Ça fait 208 km hein, pour vous dire, donc il faut environ 3 heures de route, ça dépend de la circulation, bien entendu. Mais pour vous dire, je le ferai, hein, sans problème. Hein. Moi, des routes comme ça me fait kiffer en fait. Et après je vais vous dire en quelle voiture je vais le faire, mais j'attends de vous dévoiler la liste que moi j'aimerais bien. Enfin une partie, ouais. Il y a quoi, il y a 20 voitures. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer celle-là, Rochehaut-Ouvresse. Comme ça, vous allez avoir la suite de cette vidéo-là, parce qu'en fait, bah, c'est dans le sens inverse, mais c'est à peu près le même. Bon, la vidéo est pas top top qualité, mais bon, au moins vous voyez. C'est en plein hiver en plus. Hein. Je peux vous dire, il doit cailler là. Je parlerai après des nouveautés aussi, hein, mais ça, c'est après les voitures encore. Bon, bien sûr, c'est moins. Enfin, j'ai envie de dire, c'est quand même bon en hiver, mais en été, c'est encore mieux, hein, cette route-là. En plus, le monsieur il roule bien, donc ça tombe bien. Il roule à une bonne vitesse là. Comme vous pouvez le voir, les routes sont pas larges, hein. Donc des routes comme ça, bah on pourrait pas rouler comme un des fous quoi. Il y a des routes en fait limite c'est 50 à l'heure, hein, faut freiner, faut les passer à 50 à l'heure les virages. Hein. La vidéo, ça se peut qu'elle soit en 2-3 parties parce qu'en fait ma caméra elle va diviser les trucs et donc du coup voilà. Donc j'aimerais bien que si vous avez apprécié la vidéo, eh ben, de liker, hein, ça me ferait super plaisir, de vous abonner, de marquer un commentaire de ce que vous en pensez, si vous êtes content, de ce que je vous ai montré, si c'est une très mauvaise idée ou voilà, votre avis, ça m'intéresserait franchement. C'est ici qu'il faut ralentir à 50, je pense. Je suis pas sûr. Ah non, c'est pas ici. Bah, je sais plus. Parce que, en fait, j'ai pas l'habitude. D'ailleurs, il a failli perdre le contrôle, le monsieur. Mais, putain, l'homme, il a failli perdre le contrôle de sa bagnole. J'ai encore jamais. Pourtant, j'ai déjà regardé la vidéo, mais j'ai encore jamais vu ce détail-là. Mais, attends. Ah non, en fait là, on est sur Halle, je crois que c'est. Mais non, c'est après ça. Là, on se dirige sur Halle.
D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à dire en commentaire si jamais le projet, enfin si la Belgique était bien retenue et que maintenant il mettrait tout la map avec les vraies routes et tout. Si vous aimeriez voir un certain trajet que je peux vous faire, moi il n'y a pas de problème. Je veux bien vous le faire. Hein. Enfin, bien sûr, la vidéo elle risque d'être un peu longue, hein, le trajet. Mais voilà. Moi, de toute façon, je m'en fous, j'aime bien. Franchement, s'ils mettent la Belgique, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu peux me demander n'importe quoi, je roule. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, hein, parce que je vous avais parlé du climat la dernière fois dans l'autre vidéo, regardez bien le climat qu'il y a là et regardez une fois les routes que je vous ai montrées, ben, la route justement que je vous ai montrée juste avant. Et ben, vous allez voir, regardez, vous voyez la différence, franchement, et vous voyez pourquoi en termes de climat, ben, ce serait génial qu'ils mettent la map belge. Par contre, il me semble qu'il a passé Grèce. Voilà, on va pas s'attarder le plus là-dessus parce que c'est pas le but non plus de vous montrer chaque route de Belgique, mais ce que je vais maintenant vous montrer, c'est la liste de voitures. On va commencer par une Abarth. Problème des Abarth que je trouve qu'ils devraient mettre. Donc on a l'ancienne génération sur Forza et j'aimerais bien qu'ils mettent la 595 parce que la 595 c'est la nouvelle génération. Enfin la nouvelle génération c'est une version restylée quoi. Et moi j'aimerais bien qu'ils mettent une des versions restylées. Voilà, enfin il n'y a pas plus d'infos là-dessus. La suite, ben on va aller chez Alpha directement. J'en ai oublié une, je suis vraiment désolé Twitch, j'ai vraiment oublié une sur mon papier. L'Alpha Sud, je vais vous la montrer. Donc l'Alpha Sud,
Mon pote, bah, il aime bien. Et bah, moi aussi, j'aime bien, franchement, en ayant vu la voiture parce que je la connaissais pas avant qu'on me dise le modèle. Mais c'est vrai que c'est une belle voiture et il existe en version quadrifoglio. Et moi, je trouve qu'elle aurait sa place dans le jeu. Je sais plus combien de chevaux, mais. Bah, Twitch, si tu vois la vidéo, marque-le dans le commentaire, peut-être dans les commentaires, peut-être les chevaux qu'elle a fait, l'Alpha Sud. Donc, comme ça, les gens, ils sauront. Enfin, l'Alpha Sud, pour moi, elle aurait tout à fait sa place dans le jeu. C'est une des seules anciennes. Enfin, j'ai pas noté d'anciennes, j'ai noté que des 2019, mais c'est une que, franchement, dans les anciennes que je voudrais voir. On va partir aussi maintenant sur une autre petite voiture de chez Alpha. Après, il y en a encore une autre que je vais vous montrer. Donc la Mito, l'Alfa Romeo Mito, pour moi, elle aurait tout à fait sa place aussi. Il existe une version quadrifoglio. Mais avant, je viens d'y penser, j'ai failli oublier de vous dire ça. Voilà ce que moi, je trouve qu'il devra avoir. Donc, il devra avoir pour les constructeurs généralistes, donc genre Fiat, Peugeot, Renault, toutes les marques comme ça, voilà, vraiment les généralistes, qui auraient tous les modèles de la gamme. Donc, par exemple, chez Fiat, il y aurait la 500, la 500L, 500X, avec toutes leurs déclinaisons, un hein, Cross, Urban, enfin bref. La Fiat Panda, le Fiat Doblò, le Kubo, la 124, la Tipo, avec toutes les carrosseries. Enfin bref, qui aurait toute la gamme. Et voilà, ça serait franchement bien. Et alors, une grosse nouveauté, ce serait qu'on aurait le choix du moteur, mais ça, j'y reviendrai aussi encore dans les nouveautés, c'est qu'on aurait le choix du moteur et de la finition. Franchement, ce serait bien. Donc, imaginez la petite Alpha. Eh ben, tu pourrais la choisir. Par exemple, tu choisis la version base. Donc, vraiment base-base. Et alors, avec le petit 1395 chevaux de diesel. Donc, à rappeler que c'était la version la plus puissante en diesel. Enfin, ben, c'est le seul moteur diesel. Et en essence, ben, il y avait le maximum, c'était la version sur la quadrifoglio. Mais en essence, le reste, c'était en dessous du 95 chevaux. Donc, voilà. Mais franchement, il devrait mettre le choix de moteur, ce serait franchement kiffant. Voilà pour l'Alfa Romeo Mito, je vous en présente encore une autre. Mais je ne vais pas vous montrer toutes les voitures. Hein. Juste les voitures que j'ai envie de vous montrer, surtout. Ben, la prochaine, je vais quand même vous la montrer parce que Hyundai ils vont peut-être pas comprendre. Donc la Giulietta, ben, vous rappelez qu'elle était déjà dans Forza Horizon 2. Je trouve que ce serait bien qu'il la fasse revenir, mais attention. Plus avec la version qu'on avait dans Forza Horizon 2, mais la version 2019, donc la version restylée, re-restylée, parce que maintenant elle a un écran tactile, elle a la FR Xenon, elle a ci, elle a là. Tout ce qu'elle n'avait pas encore à autant du temps que l'Alfa Giulietta était sorti et que Forza Horizon 2 était sorti aussi. Alors on va parler BMW aussi. Avec la série 3 Touring 2019, bien entendu, parce que franchement, c'est une des rares BM nouvelles que je kiffe. Hein, j'étais vraiment étonné, ça changeait franchement du style des autres. Ce que je kiffe surtout, c'est ses feux arrière en fait. Donc, d'ailleurs, on peut le voir, hein. Les feux arrière, franchement, je kiffe et les nouveaux devants aussi. Je kiffe et franchement, c'est une voiture que j'aimerais bien voir arriver. Je dis pas, je roulerai tout le temps avec, mais de temps en temps, franchement. C'est une voiture pour moi, il y aurait sa place aussi en version break, enfin en choix de carrosserie, quoi. Hein. Celui-là qui veut rouler en break, il a la break. Celui-là qui veut rouler en berline, il a la berline. Voilà. La nouvelle BMW série, nous aussi, que j'aimerais bien voir. Mais ça, je vais pas vous le montrer. D'ailleurs, j'ai oublié d'effacer Alpha, ça a quand même mis. C'est vraiment étonnant. La Ferrari Portofino. Je sais qu'Hyundai ne la connaissent pas, donc du coup, je vais vous montrer. La Ferrari Portofino. La Ferrari Portofino, c'est une des nouvelles. C'est un petit cabriolet. Bah, il a 10 vitres tous les jours, mais bon, faut savoir quand même se l'offrir. Hein, c'est pas gagné. Franchement, c'est une voiture très jolie que je kiffe. Et que j'aimerais bien voir arriver sur le jeu. Je vais pas détailler les puissances de toutes les voitures parce qu'il y en a quand même encore pas mal après. Mais voilà. Après, eh ben, j'ai la Fiat Tipo. Et alors, tantôt, justement, je vous disais,
Et quelle voiture j'aurais fait les 208 km? Eh bien, ce sera en Fiat Tipo, break, en 1,6 litre, 115 chevaux de diesel, 120 chevaux pour les Français et autres pays, en finition lounge, et en fait la même voiture que mon père, donc celle de mon profil. Celui-là que je vais aller voir, c'est Fiat Tipo SW, pour aller voir ma photo de profil, et ça serait exactement la même que je roulerai 208 km. Donc, la Fiat Tipo SW, je vais vous montrer la Tipo SW, c'est le mieux, je trouve. Moi, franchement, c'est une voiture que je kifferais aussi à voir, parce que moi, je trouve elle a tout à fait sa place, comme n'importe quelle autre voiture. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, que j'étais mécontent qu'on voulait pas mettre cette voiture-là et qu'on mettait d'autres voitures encore moins puissantes. Hein, je pense notamment au Jeep Willys. Bon, ça, c'est encore. Vous pensez que c'est une voiture de la guerre, donc c'est normal qu'elle est là, mais la pile. Je crois que ça s'appelle pile P50. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ont mis une voiture comme ça. Allez, 8 kWh, c'est encore moins puissant que ça. Et on rajoute 80 kWh de plus sur la Tipo, sur ses 120 chevaux. Donc voilà. Moi, voilà, je sais pas. Je sais pas pourquoi on veut pas mettre celle-là et on met des piles. Une autre Fiat aussi que j'aimerais bien voir arriver. Donc j'ai mis quoi? Attends, je respecte l'ordre en fait que j'ai noté. La Fiat 500X. Bien sûr restylée. Bah, moi si je devais en prendre une, ce serait avec ce verre-là et les phares foulettes quoi. Franchement. Ou alors la version sport. D'ailleurs, voilà, voilà. Juste ici. Franchement, ouais, voilà. C'est une voiture que je kifferais aussi rouler. Elle aurait sa place. Je comprends toujours pas pourquoi on ne l'a pas mis non plus. Et j'espère qu'un jour, Forza se décidera quand même à mettre des nouvelles Fiat, parce que c'est bien de mettre les anciennes, mais il faut aussi penser aux nouvelles. La Fiat 500, je ne vous la montre pas, et la Fiat Panda, ben, je vais quand même vous la montrer, parce que je sais qu'ils ne connaissent pas forcément, mais je vais vous la montrer en version plus baroudeuse. Voilà, en Fiat 500, en Fiat Panda, pardon, Cross. Donc moi si je vais la prendre, ce sera en version cross, donc SUV, avec un verre comme ça. Et voilà. Ah ben, d'ailleurs elle est là. Elle est juste là. La Ford Fiesta 2019, que j'ai toujours pas compris non plus pourquoi. J'allais noter Forza. La Ford Fiesta 2019, j'ai toujours pas compris pourquoi elle n'y était pas. Franchement, c'est une voiture qui devrait normalement être là, et on a mis la version rallye au lieu de la version classique. C'est incompréhensible, franchement. Incompréhensible. Je comprends vraiment pas pourquoi. Donc, la version la Ford Fiesta 2019, je sais, je demande 2019, on met encore des anciennes qui est là. Donc, la Ford Fiesta 2019, moi je la kiffe, hein, franchement, cette voiture. Et franchement, c'est une voiture que j'aimerais bien voir arriver. Dans le jeu, et j'espère qu'elle arrivera déjà dans Forza Horizon 4, mais qu'elle sera aussi dans Forza Horizon 5, bien entendu, tout comme les autres que j'ai précédemment citées, et les suivantes aussi. La Ford Focus 2019, qui moi aussi, qui je trouve qui aurait sa place. 2019. Donc la Ford Focus 2019. Moi j'espère l'avoir un jour dans le jeu parce qu'elle ressemble beaucoup à la Fiat Tipo déjà, c'est pour ça aussi. Et enfin, franchement, je trouve que c'est une